Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur. Ça fait plaisir de vous retrouver après un bon mois sans vidéo. Alors pourquoi cette longue absence? D'une part, la formation sur l'investissement en bourse m'a vraiment pris du temps. Et puis, compte tenu de l'évolution de la situation financière et économique, j'ai éprouvé le besoin de prendre du recul, comme on dit, pour réfléchir au mouvement en cours dans ce paysage. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de trois évolutions de l'univers des cryptos, qui sont des évolutions qui poussent à se mettre aux cryptos si vous ne l'avez pas encore fait, ou à vous y remettre, voire à accélérer. Le but de cette analyse est de fournir une base à vos propres réflexions afin de vous aider à mieux comprendre le sujet en activant notre intelligence collective. Alors quand je dis afin de vous aider, je devrais dire afin de nous aider, puisque les échanges que nous avons à la suite de mes vidéos, dans le cadre des commentaires que vous faites, contribuent aussi à me faire réfléchir et à me faire avancer. Alors la première évolution, j'en avais parlé il y a plusieurs mois dans une vidéo, c'est une amélioration du paysage général des cryptos, c'est-à-dire que le risque d'interdiction des cryptos s'éloigne. Alors pourquoi s'éloigne-t-il? Je l'avais dit, mais ça se confirme, c'est parce que l'aspect monnaie, donc instrument de paiement, donc est de moins en moins important dans le concept des cryptos, et il n'est plus essentiel. Les cryptos sont de plus en plus considérés principalement comme des placements. D'ailleurs, on parle plutôt de crypto-actifs maintenant que de crypto-monnaies. Je parie que si vous pensez acheter des bitcoins ou d'autres cryptos, ce ne sera pas comme moyen de paiement, sauf très marginalement, et encore, ce n'est certainement pas votre motivation à l'origine, mais plutôt pour bénéficier du potentiel d'enrichissement de ces actifs. À partir de là, les cryptos ne sont plus un problème, ne font plus d'ombre au monopole monétaire des États, et elles peuvent donc se développer sans être sous la menace permanente d'une interdiction ou de complications provoquées par les États qui n'apprécieraient pas leur concurrence. À l'heure actuelle, les cryptos, sauf dans certains pays, ne sont pas des concurrents aux monnaies nationales, aux monnaies officielles, aux monnaies à cours légaux. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même la Chine, et puis il y a aussi d'autres pays. Donc on va commencer par la Chine, qui est le plus important, compte tenu de l'importance de la population et donc du marché que cela peut représenter pour les cryptos. Alors effectivement, en Chine, il y a eu une interdiction. Maintenant, il ne faut pas y voir quelque chose qui serait spécialement la conséquence des cryptos, bien qu'évidemment, il y a quand même cet aspect. Mais c'est surtout une des conséquences, on va dire c'est un des nombreux sous-produits de la dictature chinoise, bon, qui est une dictature, même si on n'en parle pas trop, pas suffisamment dans les médias, enfin, ça n'a rien de secret, hein, c'est pas quelque chose qui est caché. Bon, dictature délirante, et État, on le voit, qui est obsédé par le contrôle de tout, dans ces conditions, c'est sûr que pour un État comme ça, les crypto-monnaies, ça fait partie des cailloux dans leurs chaussures, et eh bien, il les empêche. Bon. C'est comme ça. Ça peut-être un jour évoluer, si les autorités chinoises finissent par se rendre compte que les crypto-monnaies, c'est vraiment pas embêtant pour elles, à condition que ce ne soit justement pas des crypto-monnaies, mais des crypto-actifs. Mais pour l'instant, dans des pays, dans des dictatures, aussi totalitaire, et c'est le mot employé à juste titre là, les crypto-monnaies évidemment ne sont pas les bienvenues. Les autres pays qui ont aussi des problèmes avec les crypto-monnaies, c'est ceux dont les monnaies sont tellement faibles que les citoyens peuvent avoir plus confiance dans ces monnaies, dans les cryptos, que dans leur monnaie. Vous avez l'Inde aussi qui a des soucis avec les cryptos, plus exactement les cryptos. Qui ont des soucis avec le gouvernement indien et puis d'autres pays. Et puis inversement, il y a le cas du Salvador où la monnaie ne convient pas trop certainement aux habitants et le gouvernement a accepté que la crypto devienne une monnaie du pays. Bon, la tendance est plutôt quand même à ce qui se passe en Chine ou en Inde qu'à ce qui se passe au Salvador quand il s'agit de considérer les cryptos comme des monnaies. Bon, on voit bien que dans le cas des pays développés qui ne sont pas des dictatures,
et qui sont plus ou moins libres, comme les pays de l'Union européenne ou les États-Unis, et où la monnaie est solide, ça ne se passe pas comme ça. Madame Lagarde, au mois de septembre, me semble-t-il, avait dit qu'il n'était pas question d'interdire les crypto-actifs dans l'Union européenne. Elle a dit crypto-actifs, elle n'a pas dit crypto-monnaie. La nuance est importante parce que ça sous-entend que si on revenait à un concept de crypto-monnaie, après tout, elle pourrait peut-être interdire. Et aussi, elle a bien compris actuellement qu'il s'agit plutôt, qu'on est plutôt sur un concept de crypto-actif. Bon. Bien sûr, donc elle peut revenir, elle peut changer d'avis, hein. Elle peut changer d'avis, la Banque Centrale peut péter des plombs, voilà. Mais à l'heure actuelle, on va dire l'avenir des crypto-actifs ne me semble pas menacé à l'Union Européenne, ni probablement aux États-Unis. Deuxième évolution, bon, qui là est plus technique, c'est que depuis peu, il est possible d'investir dans les cryptos via des plateformes de certains courtiers de bourse. Autrement dit, on peut acheter des cryptos en bourse. Alors, comment ? Actuellement, on ne peut acheter des cryptos que par le biais d'ETF, donc Exchange Traded Fund ou ETN, Exchange Traded Note, je vais vous en parler dans deux minutes. Et bah, clairement, là, cette possibilité de passer par les plateformes de bourse est très concurrente par rapport à ce qui se passe jusqu'à présent, c'est-à-dire le recours aux plateformes d'échange de crypto, donc vous les connaissez, Kraken, Binance, Coinbase, Blockchain, etc. Et cette concurrence me paraît extrêmement importante et très avantageuse pour les investisseurs parce que elle emporte des améliorations considérables. Je parle d'amélioration, on devrait presque parler de révolution. D'une part, par l'amélioration que ça donne au niveau de la simplicité, et d'autre part, par l'amélioration que ça donne au niveau de la sécurité. Alors, pour la simplicité, eh bien, dès qu'on parle plateforme de bourse, ça veut dire qu'on est sur des choses qui sont simples. On achat et on revend de manière instantanée, en quelques clics, et en utilisant donc la plateforme de bourse. Tous ceux qui font de la bourse savent à quel point c'est simple. Au niveau de la sécurité, là, c'est peut-être moins spectaculaire du point de vue pratique, mais c'est encore plus important, c'est que il n'y a plus la question qui se pose sur la régulation. Autrement dit, est-ce que la plateforme par laquelle je passe est régulée ou pas? Normalement, oui, mais en pratique, elles le sont pas toutes, donc quelques recherches à faire. Également, il y a un autre problème quand on passe par les plateformes d'échange de crypto. Je le connais puisque moi-même, jusqu'à présent, je passais par des plateformes d'échange de crypto, même si je suis peu actif sur le marché des cryptos. Je pense que je vais l'être plus, compte tenu de ce que je suis en train de vous expliquer, de ces nouveautés. Mais quand on passe par ces plateformes, on peut tout simplement perdre les clés d'accès à nos comptes, donc les clés privées, et si on perd les clés, eh bien, on perd ce qu'il y a sur le compte. Vous avez sûrement entendu parler de cet investisseur en crypto aux États-Unis qui a perdu les clés ou la clé de son compte sur lequel il y avait, paraît-il, 250 millions de dollars. Bon, ça me paraît bizarre quand même que quand on investit 250 millions de dollars dans les cryptos qu'on investit moins, mais qui sont devenus, grâce à l'explosion des valeurs des cryptos, qui sont devenus 250 millions de dollars, on n'ait pas l'idée de scinder ça en plusieurs comptes. Enfin bon, l'anecdote est peut-être exagérée. Peut-être qu'elle est carrément fausse. En tout cas, il est sûr qu'il y a des gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient sur leur compte de crypto parce qu'ils ont perdu les clés. Bon, désormais, c'est quelque chose qui n'existe plus. Autre chose importante, c'est que dans le système des plateformes de crypto, eh bien, il y a transfert de fonds par le compte tiers. Autrement dit, on peut, au lieu que ce soit votre compte de banque qui soit crédité, ça peut être celui d'un autre client, etc. C'est arrivé, hein. c'est pour ça que c'est à souligner. Par contre, à partir du moment où vous achetez des cryptos en bourse, donc en l'occurrence par des ETF, mais c'est pas parce que c'est des ETF, c'est parce que c'est un achat en bourse, bon, ce risque statistiquement est quasiment nul, puisque l'expérience a prouvé que ces choses-là ne se produisent quasiment pas sur les plateformes de bourse. Donc ça, évidemment, c'est très important, c'est très rassurant. Et pour les personnes qui étaient tentées d'investir dans les cryptos, mais
rechigner un peu ou avec quelques craintes sur la sécurité du système, et on vient de voir qu'il y a effectivement il y a des sujets là-dessus, eh bien à partir du moment où on peut passer par la plateforme de bourse, cela n'existe plus. Donc c'est considérable. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'ETF et d'ETN, puisqu'effectivement, actuellement, les véhicules de bourse qui permettent d'acheter des cryptos, ce sont des ETF et des ETN, donc Exchange Trade Fund et Exchange Trade Note. La différence, il faut quand même voir la différence entre les deux. Bon, si vous pratiquez déjà l'investissement boursier, vous le savez. Si vous comptez profiter de cette possibilité nouvelle pour vous lancer dans les cryptos, il faut savoir que l'ETF, donc c'est un fonds, hein, donc, vous êtes propriétaire de part de ce fonds, autrement dit, vous êtes copropriétaire des cryptos qu'il y a dans le fonds, mettons des bitcoins qu'il y a dans le fonds. Dans le cas de l'ETN, vous n'êtes pas copropriétaire, vous avez un droit de créance sur le fonds, et c'est le fonds qui, lui, est propriétaire des cryptos qu'il achète. Ce n'est pas la même chose, bon, les raisons techniques qui font que, je vais pas en parler là, ça n'a pas d'intérêt, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les deux véhicules existent, l'ETF et l'ETN. Personnellement, et j'imagine vous aussi, compte tenu de ce que je vous ai expliqué, vous préférez l'ETF. Enfin, moi, je préfère l'ETF. Maintenant, si pour investir sur tel ou tel crypto qui vous intéresse, ça n'existe que sous forme d'ETN, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Ce qui n'est peut-être pas prudent, c'est de mettre tout votre portefeuille de crypto via des ETN. Enfin, pas prudent. C'est un peu moins sûr que de le mettre via des ETF. Mais c'est tout. Alors, quelles cryptos on peut acheter? Eh bien, on peut acheter beaucoup de cryptos, principalement, enfin, dont les grandes cryptos, celles qui intéressent la plupart des gens, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, et puis bon, les autres, je ne les ai pas en tête, le Litecoin, me semble-t-il, enfin, Litecoin, je crois qu'ils disent comme ça, Litecoin, enfin, bref, d'autres choses qui peuvent être intéressantes, le Bitcoin Cash aussi, bon, voilà. Il y en a beaucoup d'autres pour ça, mais il suffit de faire des recherches. Le but de cette vidéo n'est pas de vous donner la liste de toutes ces cryptos, ça serait un travail, enfin, de toutes ces cryptos, de tous ces ETF, ça serait un travail considérable, mais de vous montrer la piste, et de vous en indiquer quelques-uns, en l'occurrence, bien sûr, les plus commodes. Alors, par quel courtier passer? Ça, de même que la liste, une shortlist des ETF et des ETN, à des conditions intéressantes qui vous permettent d'acheter des cryptos que je mets en annexe de la vidéo via un lien que vous trouvez dans la partie description. Là aussi, pour ce qui est des courtiers, je vous les indiquerai dans l'annexe. Donc, par quel courtier passer? Alors, je ne sais pas si actuellement il y a beaucoup de courtiers qui le font. Toujours est-il que moi, je me sers de deux courtiers. J'ai découvert que les deux courtiers avaient une offre de crypto très intéressante. Et en l'occurrence, c'est un des deux courtiers qui m'a informé de cette possibilité en m'envoyant un mail, enfin, comme à tous ses clients, donc ça remonte à quelques jours. Ben, dans ce mail, j'ai compris que l'offre qu'il avait en crypto était très fournie. Donc j'ai eu l'idée de regarder ce que proposait l'autre courtier dont je me sers de façon là beaucoup plus marginale. Ben, lui aussi a une offre en crypto fournie. Donc je me dis que sans doute d'autres courtiers ont aussi des offres en crypto. Donc l'annexe que je mets avec cette vidéo, vous pourrez voir de quel courtier il s'agit, mais je vous suggère déjà de regarder aussi ce que proposent vos propres courtiers, parce qu'il y a des chances qu'ils vous proposent aussi des ETF et des ETN de crypto. Il faut aussi savoir qu'en matière d'ETF, de crypto, on peut, comme pour les ETF classiques, on peut, c'est même la vraie idée d'ETF, on peut acheter des ETF qui ne sont pas mono crypto-actifs, mais qui sont basés sur plusieurs crypto-actifs, donc du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP, enfin bref, il y en a beaucoup d'autres qui existent. Comme ça, on n'est plus dans une logique d'ETF, on n'est plus dans une logique de diversification et donc quelque part de lissage du risque par ce moyen-là, sauf que, peut-être en faisant des recherches, ce que je vous dis s'avéra parfois inexact, mais moi, les quelques recherches que j'ai faites à partir de mes plateformes de bourse dont je vous parle, et qui ont une offre en ETF de crypto,
Les cryptos, donc enfin les ETF multiples en crypto, sont assortis de frais complètement dissuasifs, du genre, j'invente pas ça, je vous donne les chiffres parce que je l'ai noté, du genre 2,50% par an de frais de gestion et 0,58% à l'entrée et 0,58% à la sortie. Bon, franchement, c'est dissuasif. En plus, c'est abusé parce qu'on ne comprend pas la raison technique de tels frais de gestion. Alors, ce qui est vrai, c'est que les frais de gestion des ETF crypto, j'ai constaté en faisant un tour rapide de l'offre, sont nettement supérieurs à ceux des ETF standards. Je n'en connais pas la raison technique. Peut-être que c'est plus difficile. Peut-être c'est en fait c'est plus difficile de répliquer correctement des cryptos compte tenu de la très grande volatilité. C'est peut-être ça la raison. Toujours est-il qu'on a des frais de gestion qui sont plusieurs fois ceux des ETF standards et que en matière d'ETF de crypto, d'après la recherche que j'ai faite, il faut essayer de trouver des ETF avec des frais autour de 1%. Donc dans l'annexe, je vous en cite quelques-uns, ça ne vous empêche pas vous-même d'en chercher parce que l'offre est vraiment abondante. Compte tenu de cette remarque, enfin de cette découverte sur les frais des ETF de crypto multiples, quand on veut se diversifier, se faire son portefeuille d'ETF, donc diversifier, c'est beaucoup plus pertinent d'acheter des ETF de crypto uniques, hein, d'acheter donc des ETF qui chacun, donc une crypto, ce qui permettra d'avoir des frais, si on se débrouille bien, autour de 1%, plutôt que de passer par un véhicule de crypto multiples, bon, qui actuellement me paraît tout à fait dans les choux. Alors, à partir du moment où on a pris conscience que les plateformes de bourse commencent à proposer des solutions, en l'occurrence des ETF, pour investir dans les cryptos, on se dit ce qui serait génial, c'est qu'on puisse, via une plateforme de bourse, investir dans les cryptos, mais pas sous forme d'ETF, les acheter des cryptos nus en quelque sorte, comme ou vif, pour parler, on peut le terme de titre vif, je pense qu'on pourrait parler de crypto vif, sans passer par ce véhicule-là. Et justement, c'est ce qui commence à exister. Bon, il y a un grand courtier américain qui, me semble-t-il, c'était en septembre, donc il y a un peu plus d'un mois, a ouvert la possibilité, bon, il a passé un accord technique avec une plateforme de logistique blockchain, de façon à ce que le service qu'il propose puisse être effectivement rempli. Eh bien, ce courtier vous permet en effet d'acheter des crypto-monnaies directement depuis sa plateforme, et ce qui est formidable, et logique en même temps, à des coûts qui sont ceux du courtage en bourse chez les courtiers compétitifs. Donc vous avez des frais de courtage qui sont les mêmes que si vous achetez des actions, c'est-à-dire c'est vraiment des queues de cerises. Donc à partir de là, eh bien, vous avez la solution idéale, c'est-à-dire que vous avez à la fois la simplicité du fait qu'il s'agit d'une plateforme de bourse, vous avez la sécurité du fait qu'il s'agit d'une plateforme de bourse, et puis vous avez les faibles coûts du fait qu'il s'agit d'une plateforme de bourse. Autrement dit, avec ce courtier, les cryptos sont vraiment devenus des actifs comme les autres. Et à mon avis, ça devrait donner un boost au marché, puisque je ne connais pas la proportion, mais il est certain qu'il y a beaucoup de gens intéressés par les cryptos qui ne se sont pas lancés parce qu'elles n'ont pas très confiance dans l'organisation actuelle dans laquelle il y a un maillon qui s'appelle donc les plateformes d'échange de cryptos. Ce courtier dont je vous parle, comme les informations concernant les ETF existants à des conditions intéressantes, est indiqué dans l'annexe à la vidéo, de même que d'ailleurs les courtiers que je connais qui permettent d'acheter, eux, des ETF de crypto. Je vous le disais, c'est possible depuis, grosso modo, le mois de septembre, mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est limité aux résidents américains. Mais paraît-il, information qui circule, ce courtier serait sur le point d'ouvrir cette possibilité à des résidents non américains, notamment à des résidents de l'Union européenne, en passant évidemment par sa plateforme. Mais bon, sa plateforme, elle est archi
comment dirais-je, archi sécurisé et archi réputé, donc c'est pas un souci, quoi, il suffit de s'inscrire. Et ça serait faisable à partir de la fin de cette année. Donc si c'est le cas, ben, précipitez-vous. Pas nécessairement pour investir comme des fous sur les cryptos, mais en tout cas pour profiter de cette possibilité vraiment, vraiment puissante désormais d'aller sur les cryptos, sans compter que ce genre de courtier a tout un tas d'outils annexes qui vont vous permettre ben, de mieux analyser les cryptos, les timings, etc., etc. Donc pour résumer cette vidéo, les trois points importants sont d'une part, c'est que le risque d'interdiction des cryptos dans les pays, ben, on va dire les pays occidentaux, devient de moins en moins important. On peut en faire abstraction dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire qu'on doit considérer qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'on peut investir jusqu'à un certain point dans les cryptos en considérant que la survenance de ce risque est très faible. Deuxième point, c'est que dès à présent, nous pouvons acheter des cryptos via des ETF à partir de notre plateforme de courtage de bourse, si tant est qu'elle le fasse, ce qui semble être le cas quand même de pas mal de plateformes. Si la vôtre ne le fait pas, bien regardez dans l'annexe, je vais en citer trois. Et puis, bah, prochainement, grâce à, on va dire, à la proactivité de ce courtier américain, il sera peut-être possible d'acheter directement, sans passer par des ETF, des cryptos depuis son interface de bourse, mais interface à laquelle on peut souscrire, enfin, à laquelle on peut ouvrir un compte depuis la France. À des conditions financières qui sont celles des ordres de bourse sur les plateformes. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces nouveautés. Elles me paraissent vraiment, vraiment importantes et ouvrir des perspectives nouvelles pour les personnes qui veulent investir dans les cryptos en échappant à l'aspect un petit peu encore rock'n'roll du monde de l'investissement dans les cryptos. Vous pouvez évidemment vous entretenir de cette vidéo avec moi et vous pouvez aussi vous entretenir directement avec moi de vos autres problématiques financières ou patrimonial, bah tout simplement en vous inscrivant pour un coaching. Le lien pour s'inscrire au coaching est dans le haut de la partie description. La vidéo est terminée, je vous laisse la partager, la liker, dire en commentaire votre avis sur ces nouvelles possibilités d'investir dans les cryptos. Rendez-vous, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. Pour être notifié de sa parution, cliquez sur la cloche à la fin de la vidéo. À bientôt.